Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien. Aujourd'hui nous sommes mardi 24 mai et on est content. Si vous dites que vous êtes content, il pleut, il fait moche, enfin en tout cas chez moi il fait moche, il pleut, le ciel est noir, donc je suis obligée de mettre de la lumière, même si j'en suis une moi-même, c'est ça. Donc, comment dirais-je, voilà quoi, on fait avec, hein, si vous voulez que je vous dise, hein, c'est pas grave. Ça arrose les jardins. Hein, bon. Alors, pour ceux qui ont eu de la grêle, voilà, je vous plains parce que les pauvres jardins, les pauvres fleurs, les pauvres, enfin tout ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu la zone, mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc aujourd'hui nous sommes mardi 24 et n'a pas d'anniversaire à souhaiter, mais par contre j'ai un conseil beauté à vous donner aujourd'hui hein, pour prendre soin de votre visage. Une petite recette, vous m'en direz des nouvelles. Alors pour ce faire, je vous dis, bon, alors c'est pour nourrir votre peau. Hein. Alors vous mélangez une demi-banane écrasée. Hein. Vous prenez une cuillère à café de miel. On ne précise pas quel miel, peu importe, vous prenez le miel qui vous fait plaisir. Une cuillère à café de yaourt nature, c'est pareil, vous prenez la marque qui vous fait plaisir, ce n'est pas précisé. Vous prenez une cuillère à café d'huile d'argan, ah, ça par contre c'est de l'huile d'argan, c'est pas autre chose. Ah, si. Vous ne pouvez pas mettre d'huile d'olive ou d'huile de colza ou de soja ou de je ne sais quoi, c'est de l'huile d'argan. Et ensuite, vous posez ça sur votre magnifique visage. Si. Et ensuite, regardez, moi je l'ai fait tout à l'heure. Si, je l'ai fait tout à l'heure. Ah si, ça se voit quand même. Alors, vous mettez ça sur votre visage, vous laissez poser 15 minutes, c'est-à-dire un quart d'heure. Et ensuite, vous retirez, vous raclez, vous mettez ça dans un petit bol, hein, vous mangez. Parce que ce qui se voit à l'extérieur fait du bien à l'intérieur aussi. Si, donc vous mangez et puis après vous pouvez rincer tout ça à l'eau tiède et vous êtes magnifique. Regardez, si regardez, ça marche. Si. Alors donc maintenant, hein, c'est mardi, je disais, c'est jour de géométrie. Alors, pour ce faire, nous allons faire une carte qui n'a rien à voir avec de la géométrie. Si on a le droit, on fait qu'est-ce qu'on veut, de toute façon. Par contre, bon, ce week-end, je prépare quelque chose. Si je prépare quelque chose pour les scrappeurs du cœur, enfin, pour tous ceux qui auront fait un PTP. Donc, vous êtes 50, hein, vous êtes 50 à avoir fait un PTP. Donc, uniquement pour ces personnes-là, je ferai quelque chose. Si. Bah, si. Alors, donc, on va commencer à scraper, hein. Alors, attends, 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 attention au départ. Direction notre histoire. Munissez-vous de paplard. 1, 2, 3, 4, on s'éclate. Moi, je veux scraper. Moi, je veux partager. Moi, je veux passer un bon moment avec mes abonnés. C'est parti? Allez, c'est parti. Pour ce faire, donc, nous allons faire une carte de je ne sais pas quoi. Non, en fait, on va faire une carte que j'appellerai flip-flap, flipper-flap. Bah, si, je l'appelle comme je veux, hein, j'ai droit. Alors, vous prenez. Ouais, je travaille le noir aujourd'hui, c'est pour. Si je broie du noir. Je broie du noir, je broie du noir, j'ai le droit. Ça m'arrive, hein, des fois. Alors, donc, pour ce faire, je prends du papier noir. Vous prenez le papier que vous voulez. Hein, si vous prenez ce que vous voulez, c'est comme d'habitude. Et puis on va faire du je sais pas quoi. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai jamais fait. J'essaye. On a le droit. On fait ce qu'on veut. Hein. De toute façon, on fait ce qu'on veut. Alors, mais par contre, je vais prendre une feuille 30-30. Enfin, vous savez, je vous ai déjà dit 12-12 en pouces. Hein, ça fait 30,5 sur 30,5. Alors, on va laisser la feuille entière. On s'en fout. Bon, on s'en fout. C'est comme d'habitude. On s'en fout. Et on va faire une petite. Enfin, je vais essayer. Non, je vais le faire. Je peux essayer. Je vais le faire. Une carte. Je sais même pas si. On va faire. N'importe quoi. Non, je pense que ça va être sympa. Si, j'espère. Et on va faire un système. On va faire nous-mêmes un petit système de flippette. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une flippette, parce que moi, quand j'ai commencé, je ne savais pas ce que c'était qu'une flippette. Hein. On me disait flippette. Je disais, c'est quoi ça? Bah non, j'ai pas peur. Hein. Bah non, même pas peur. Hein. J'ai pas la flippette. Hein. Bah non. Non, parce que pour moi, flippette, ça voulait dire avoir peur. Si. Bah, si, flipper, flippette. Si. Mais ça n'a rien à voir avec ça, dites donc. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça, dites donc. C'est un système de fermeture. Si. Si. Bah, quand on flippe, on s'enferme, c'est bien connu. N'importe quoi. Bon, alors là, pour faire ma vidéo, je vais pas mettre de gants en latex, hein, mais pour faire des loisirs créatifs, il est conseillé de mettre des gants en latex.
d'avoir la bonne taille et d'avoir toujours une boîte à proximité. Hein. C'est important. Hein. La bonne taille, à proximité, toujours avoir une boîte d'avance, si. C'est très important. Si vous ne comprenez pas, c'est normal. Si, c'est tout à fait normal. Je vous expliquerai une autre fois, si. À moins que Sabella le fasse. Si. J'aimerais tant qu'elle nous explique pourquoi il faut des gants en latex pour faire des loisirs créatifs. Si. Alors, pour ce faire, donc là, nous ne faisons pas de choses qui risquent d'abîmer vos mains. Non, je ne pense pas. Donc, nous n'avons pas besoin de gants en latex. Mais si vous voulez en mettre, vous pouvez toujours en mettre. Si. C'est pas interdit. Chacun fait comme il veut. Hein. Le latex, c'est très bien. Si. Le caoutchouc, c'est... Si. Et le plastique, c'est fantastique. Si. Moi, je sais, c'est n'importe quoi, c'est comme d'habitude. Ça fait combien de minutes que je parle? Oh la vache. Bah si. Alors donc, on a dit, on prend une feuille 30-30. C'est parti, on essaye de faire un truc. Bah si, on scrape. Alors, je vais prendre moi du noir, parce que j'ai envie de mettre du noir. Puis c'est tout, je fais ce que je veux. Alors, si. Et puis, il pleut. Hein. Oh alors, il tombe des cordes. J'en ai marre, moi. Si, j'en ai très, très marre de ce temps. Je vais prendre du noir. Regardez, j'adore ce bloc. Hein. Si, j'adore ce bloc. Je l'avais utilisé pour ma petite sœur. Si. Alors, donc, je fais ça. Hop. Ensuite, oh, regardez comme il est beau. Si, j'adore. Alors, vous allez choisir le côté qui sera en apparence. Parce que, je sais pas du tout ce que je vais faire. Non, je ne sais pas. Je vous jure, je ne sais pas. Ben non. Alors, ce que je sais, c'est qu'on va diviser cette feuille en deux. Alors, je fais gaffe au sens des fleurs, là, parce que je vais la plier en deux comme ceci. Ah si, je vais faire ça. Alors, pour ce faire, je ne sais pas du tout ce que je fais. Non, je ne sais pas. Vous m'en voudrez pas, hein, si c'est un peu raté. Oh, on s'en fout. Hein. Alors, donc, je vais déjà couper à 30-30, vraiment pile. Quand même, je ne voulais pas le faire, puis je le fais quand même. Si, je le fais quand même, parce que comme je ne sais déjà pas ce que je fais. Vous faites votre feuille 30-30, hein. Et puis voilà, vous faites ça, hein, vous êtes content, ça y est. Alors, ensuite, vous allez faire un pli au milieu, vous allez diviser en deux à 15, donc vous faites un pli. Alors, vous faites pas comme moi, vous ne trompez pas, hein, vous ne coupez pas, parce que je suis tout à fait capable de le faire, ça m'est arrivé déjà beaucoup de fois. Donc, à 15, on fait un pli. Voilà. Vous pouvez déjà marquer votre pli, hein. C'est pas. Vous pouvez marquer votre pli, voilà, ça fera. Pour qu'est-ce qu'elle a cette feuille? Regardez, qu'est-ce que c'est que ce beans? Qu'est-ce que c'est que ce beans là? J'ai plié à combien? À 15? Pourquoi ça fait n'importe quoi? Pourquoi ça fait ça? Bon, pour ce faire, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, bon, on disait que c'était bon, hein. Ouais. C'est bizarre ça? Ouais, c'est bizarre. Bon, on va pas chercher midi à 14h, c'est pas très grave. Je sais pas, je comprends rien du tout. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça fait pas du tout la même taille, regardez. Ou alors mon massicot en a un coup derrière les raquettes. C'est ça. Je sais pas, c'est quand même très bizarre. Hein. Bon, alors c'est pas grave. Donc vous avez compris qu'à 15 vous faites un pli. On va prendre dans l'autre sens et on va faire des plis à 10 et à 20. On va la diviser en 3, d'accord? Ça fera une base 10-15. Alors, à 10, vous faites un pli. Et à 20, vous faites un pli. Et donc, ça vous fait 3 parties. Alors, attendez, je vérifie parce que ma feuille, elle est bizarre. Ouais, elle est bizarre, mais bon. Et donc, voilà, on a ça. On est content. Si, vous dites que vous êtes content. Ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est dit? Je sais pas. C'est dit que je voulais faire un truc, mais je sais pas si ça va fonctionner, dites donc. Non, j'ai pas. Je regarde, hein, je regarde ce que je voulais faire, ça et ça. Si, ça va marcher. Si, ça va marcher. Alors, ouais, je pense que ça va marcher, on verra. Alors, donc, maintenant, nous allons ici, là, couper. Vous savez, on a coupé en deux. Enfin, on a coupé en deux. Non, on a fait un pli à la moitié. Eh bien, nous allons couper avec ce que vous voulez, un scalpel, un cutter, un je sais pas quoi, un ciseau. Hein. Vous allez couper jusqu'au milieu, là, juste. Le premier rectangle, comme ceci, hein, le premier, hein, vous vous arrêtez là, hop, ouais, c'est ça, on fait ça, puis on fait ça, on fait n'importe quoi, on a le droit, on s'en fout. Donc vous faites ça, voilà. Et donc, normalement, je voudrais faire ça,
Et alors, je voudrais... Alors, je regarde un truc. Parce que là, je voudrais que ça fasse ça. Et là, je voudrais qu'on fasse ça. Ouais, je sais, c'est peut-être un peu bizarre, mais je veux qu'on fasse ça. Alors, pourquoi j'ai coupé là? Je ne sais pas. Ça sert à rien. Si ça sert, c'est parce que je veux que ça s'ouvre. Vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. C'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Donc, on a fait ça. Vous voyez, c'est pas, hein, ça n'a rien d'extraordinaire. Ensuite, c'est parce qu'elle a ma feuille, regardez-moi ça. Donc, je vais tout mettre à la même hauteur, parce que franchement, ça me stresse. Si, ça me stresse. Alors, je vais tout mettre à la même hauteur, à 15, je vais tout couper, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que mon massicot, je vous dis, il a un petit coup derrière les raquettes. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, on a fait ça, on a fait ça. Et alors, on a ce côté-là qui va venir là. Vous voyez ça, là, ça. Vous voyez, ça fait ça. Ça, ça va venir comme ça. Et celle-là, ça va venir derrière. Alors, si vous avez un papier différent, enfin, ça, après, on peut mater. Hein. On peut mater, on fait tout ce qu'on veut. Et ici, je veux que ça fasse un tag au milieu. Donc, pour ce faire, je vais prendre, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. C'est comme d'habitude, ça, là. Hein. Je vais prendre le machin. Et au centre, à peu près, au centre du centre. Vous faites une encoche ou pas. Hein. Alors, moi, je prends ça, mais vous pouvez prendre aussi un demi-rond, comme d'habitude. Hein. Maintenant, vous me suivez, vous me suivez ou pas. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Vous faites une encoche et puis là, on y glissera un joli tag ou une photo ou ce que vous voulez. Hein. Voilà. Et donc, maintenant, qu'est-ce que je veux qu'on fasse? Je voudrais que ça, que cette carte, celle-ci, elle vienne, on va la machiner comme ça. Je veux que ça fasse une fermeture comme ça. On va faire une flippette ici. On va s'amuser à faire ça. Si on peut, on peut le faire. On va le faire. Donc, je vais raccourcir là. Je vais raccourcir cette partie-là. J'ai tout à fait le droit. Ainsi. Et je vais raccourcir de... J'en sais rien. Je ne sais rien. On invente. On a le droit. On invente. Alors, de 2 cm. Je vais retirer 2 cm. Alors, est-ce que c'est clair? Vous avez plié en deux. Là, vous avez fait une encoche. On y mettra un tag ou le courrier ou ce qu'on veut. D'accord? Et là, donc on a fait ça, ça va venir là, les deux parties. On a coupé là en bas. Hein, on pourrait faire tellement de choses. Si, tellement, tellement. On pourrait même faire un système de flippette là. Là. On pourrait faire un double système. Ça serait super beau. Ça serait super sympa. Vous pourriez faire un système de flippette pour cette carte. On va faire ça. On va faire ça. Ouais, on va faire ça. Si, si, on va le faire. Donc voilà ce qu'on va s'amuser à faire. Si. Alors, on va. Vous allez choisir. Vous allez. Là, donc, il y en a deux. Donc, celle-ci, on la rabat dessus. Et vous allez faire un petit repère. Où vous voulez. Où vous voulez, la hauteur que vous voulez. Peu importe. Hein? Peu importe. Moi, je vais la mettre à peu près au milieu. Mais c'est pour dire. Hein? Je veux dire que ma petite flippette. Je vais installer une flippette à peu près ici. OK? Au milieu. Moi, je mesure pas. Hein? Voilà, ici. Alors, est-ce qu'on voit? On voit rien, comme d'habitude. Gris sur gris, voilà quoi, vous avez compris quoi. Je vais faire un trou comme ça, vous allez comprendre tout de suite. Je vous dis, vous faites le trou où vous voulez. Hein, donc là, cette carte-là, elle va être fermée avec une flippette ici. Alors vous ne percez, attention au départ. Vous allez, hop, vous percez là. OK? Vous percez ici. Je vous ai dit, à la hauteur que vous voulez. Et ici, on va installer une flippette. Alors, une flippette, qu'est-ce que c'est qu'une flippette? Notre chute. Ah ben, j'ai pas coupé. Donc, celle-ci, on va la couper. On va la couper un petit peu. Et celle-ci, on va la couper. On va faire un dégradé. Donc là, la première partie, on va la couper de... Je vais vous dire. De 1 cm. Sur cette partie-là, vous retirez 1 cm. Allez. C'est pas très difficile. Ben, je sais, c'est pour s'adapter un tout petit peu à... Oh, c'est rien. 1 cm, vous retirez. D'accord? Voilà. Voilà, voilà. Vous voyez? Donc là, votre bout de carte, il arrive avant le trou. Bien sûr, parce que c'est la flippette qui va fermer. Ensuite, on a une chute. Ben, la chute, on va s'en servir, justement. Vous allez la plier en deux, voir ce qu'il vous faut à peu près. Et puis, ça sera notre système de fermeture. Alors, on va la mettre... il faut que ça passe. Alors, je vais peut-être faire l'inverse. Je vais mettre les fleurs par-dessus. C'est à vous de choisir le papier. Vous pouvez prendre un autre papier. Vous pouvez prendre une chute d'une autre couleur. On s'en fiche. On fait ce qu'on veut. On a le droit quand même. Et donc là, on va mettre notre chute de 1 cm. On va s'en servir de flippette. On va choisir ce qu'on veut comme distance. C'est par-dessus cette première carte. Moi, je dis que je vais mettre tout ça. Ben, si. J'ai mis 2,5 cm moi sur la carte. Donc là, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais...
prendre bah, un bratz, tout simplement. Je prends mon bratz et je vais accrocher mon bratz, accrocher ma flippette sur, sur le centre. Est-ce que c'est compréhensible ce que je raconte, hein? Alors là, à 2 cm et demi, je vais faire un trou sur mon ma petite chute là. Voilà, je dis que là, je repère. Je dis que je fais un trou là. À peu près, hein. Bon, c'est pas besoin de mesurer, de prendre une mesure exacte, exacte, hein. Hop, et là, je vais coincer ma... Alors, j'ai pas coupé, vous avez vu, je couperai qu'à la fin. Là, je passe mon bratz. Là, je passe mon bratz à la... Alors, attendez, je crois que j'ai pas tout passé. Donc, j'ai pas tout passé. Ah non, si, c'est bon. Donc, je passe mon bratz là et je passe mon bratz sur la partie centrale. Ça, si j'y arrive un jour, hein. Voilà, voilà, c'est bon, j'y suis arrivée quand même. C'est laborieux. J'ouvre et là, j'écarte. D'accord. Et là, hop. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Oh, c'était tout mignon, hein. Et là, je vais couper. Je vais couper ce qui me gêne. J'ai mis du sang. Alors, ouais. Je prends un ciseau et là, je coupe maintenant. Je coupe. Alors, si ça dépasse, je m'en fiche, moi. J'ai le droit. Je m'en fiche, j'ai le droit. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ma carte, là, hop, toc, toc. Vous voyez ce que je veux dire? On a une petite flippette comme ceci, là. Voilà. Ensuite, on cachera tous les dos de bratz en dernier. Ensuite, celle-ci, elle est par-dessus. OK. Je vais la faire plus courte. J'ai le droit. Je vais retirer maintenant 2 cm. Je retire 2 cm. Si je retire. Là, j'avais retiré 1, là, je vais retirer 2. Donc, sur cette partie-là, je vais retirer 2. Hop. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que j'ai une chute. Je suis très contente. Je la garde. Vous savez que j'essaye. Cette année, on essaye de pas gaspiller. Et donc, regardez ce qui se passe. Elle passe là. Et elle est plus courte. Elle est plus courte que celle d'en dessous. C'est exactement ce que je veux. Non, qu'est-ce que je vais faire? Je prends mon autre chute. Je la plie aussi encore en deux. Alors, vous pouvez... Moi, je prends toujours le même papier. Vous pouvez prendre d'autres choses. Vous avez compris ça, à la force. Hein? Donc, ça. Et puis, je me dis... elle, je vais la fermer... tiens, peut-être en bas. Moi aussi, on va faire plein d'auteurs. Comme ça, ce sera très mignon. Alors, pour faire ceci, je vais fixer ma flippette sur ma première... Sur... Alors là, c'est fait. Donc, hop, je l'ouvre. Je prends ma feuille, là. Celle qui est fermée avec la première flippette qu'on vient de faire. Je l'ouvre. Et là, je vais décider d'où je mets cette flippette. Hein? Je vais la mettre plus bas, moi. C'est mon droit. Alors, comme c'est ma feuille marguerite, je vais faire le contraire. Hop là, je vais mettre du noir. Voilà. Et donc... Ah, je l'ai mis à l'envers, non? Les feuilles, elles sont à l'envers? Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. C'est à l'endroit, à l'envers. À l'endroit, à l'envers. Ouh, ouh. C'est ça. Donc là, je vais la mettre là. Voilà. Et donc, ben, rebelote, je vais tout perforer pour dire, voilà, je vais mettre ici mon bratz. D'accord? Voilà. Ouf. Et là, je vais mettre une autre marguerite. Je prends mes... On me les a offertes, elles sont magnifiques. J'adore, elles sont trop belles. Et donc là, hop. Voilà. Et là, j'ai mon système de fermeture. Je découpe au ciseau ce qui dépasse. Voilà. Et là, regardez, c'était tout adorable. Vous avez une carte ou un album photo où vous en ferez bien ce que vous voulez. Hein. Regardez. Donc, on a ça. Ça nous donnera ça. Donc, on ouvre celle-ci par en haut, par en bas, par ce qu'on veut. Alors, hop. Et hop. D'accord, hein? Si vous voyez que ça... Oh, c'est trop mignon. Si, si, c'est trop mignon. Voilà. Hop, hop. Et puis là. D'accord. Voilà les petites flippettes. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va se tourner, on va mettre l'autre côté là. Mon jeu, il aboie devant la porte. Si. Et puis on va faire la même chose derrière. Hein? Vous mettez derrière, vous faites exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Là, je retire 1 cm. C'est clair ce que je raconte? Ouais, si, si, mais si, c'est pas dur. Là, donc, je fais à l'arrière et là, je vais retirer sur la première 1 cm.
Hop. Voilà. Je prends ma chute. Et alors, je vais la fixer. Donc, hop. Je vais la fixer sur... Alors, quand c'est comme ça, on défait tout, là. Hein. Voilà. Et on rouvre. On rouvre tout, hein. On rouvre tout. Ouais. Et donc, là, je vais décider d'où je mets... je prends les marguerites. Et je dis... Vous ouvrez tout, hein, d'accord. Hein, on recommence, on fait tout, mais de l'autre côté. Vous me suivez, là? Mais si, vous me suivez, c'est pas... Et là, vous choisissez la hauteur. Je vais me mettre plus en haut, là. Je vais me mettre plus en haut. C'est tout à fait mon droit. Voilà. Bon, peut-être que moi, mes brats, ils sont gros, c'est des marguerites. Alors, donc, du coup, vous voyez, ils passent dessus. Bon, c'est un tout petit peu gênant, mais... Oh. Après, vous choisissez des brats qui sont plus petits, hein. Prenez des tout simples, tout simples, tout simples, sans motif, ou alors des tout petits, petits, hein. Moi, je voulais mettre ceux-là. Moi, je fais ce que je veux. Si. Ou après, je peux raccourcir là pour que ça... Vous avez compris? Donc là, je vais mettre ça là. Et là, c'est pareil. Je perce tout là. Ma chute, mon papier, machin. Pour voir où je mets mon brats. Alors, hop, je vais laisser dedans. Je vais chercher d'autres brats. Je vais prendre encore des marguerites. Même si c'est trop gros pour ce que je veux faire, c'est pas grave. Hop là. Ça n'a pas d'importance pour moi. Vous vous adaptez, il faut vraiment que ça tourne bien. Tournez, 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 tournez les vents. J'adore ce petit... J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, hop, ça, je le mets là. Et là, je mets mon petit brats marguerite. Ce que je veux dire, c'est que le brats en taille, vous voyez, il ne faut pas qu'il entame sur la carte là. Hein, il faut que quand vous tournez, ben, vous puissiez ouvrir. Si vous voyez que vous ne pouvez pas ouvrir parce que votre brats il est trop gros et qu'il entame sur la feuille, parce que vous faites, vous retirez quelques millimètres de votre carte, hein, c'est pas très grave. Vous vous adaptez, hein, c'est vraiment freestyle, vous savez, j'aime bien faire ça. J'aime bien que vous, hein, d'accord, voilà. Et donc là, je coupe ce qui dépasse sur la partie un peu tag, quoi, hein, d'accord, voilà. Donc ça, et puis donc, je vais faire la même chose avec, comme tout à l'heure, sur celle qui va encore par-dessus, je vais y retirer 2 cm. Je retire 2 cm. Hop, je prends ma chute. Alors, hop. Si, c'est rigolo parce qu'on se mélange les crayons. Si, si, c'est rigolo. Donc là et là, ça va là. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Hop. Toc. Et enfin, l'autre côté, là, c'est en haut. Et puis là, je vais le mettre. Je ne veux pas que ce soit la même hauteur. Je veux m'amuser à peu près. Enfin. Je vais mettre là, tiens, ici, hein, d'accord, vous avez compris? Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma carte qui était en dessous, je ferme celle-ci qui sera par-dessus, voilà, hein, hop, et là, je vais poser, hop, ma petite chute, là, qui me servira, donc, de flippette, et je vais la mettre à peu près ici, pourquoi pas, je regarde si ça me plaît, là, où je pourrais la mettre là, je pourrais la mettre là. Hop, qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais la mettre. Je regarde par rapport aux autres, hein, c'est pour ça. Ouais, je vais la mettre là. Allez, hop, c'est décidé. C'est décidé, je vais la mettre là. Donc, hop, je la mets là. Hein? Donc, je suis contente, j'ai décidé que je la mettais là. Je perce comme tout à l'heure. Hop, bougez pas. Voilà, bougez pas. Si, si, bougez, faites ce que vous voulez. C'est comme d'habitude. Et là, je pose mon brats. Qui peut-être je les changerai si je vois que ça me gêne vraiment, ou alors je recouperai mes cartes. Hein. Vous avez compris ce que je veux dire? Si vous avez compris, c'est mais si vous avez compris, ah là là, voilà, hop et hop. Hein. Donc je fais ça, et voilà. Et là, tout pareil, je coupe ce qui me dérange, hop, hein, ce qui dépasse. Ok, voilà. Donc ça me gratte, si ça me gratte. Donc, vous voyez là, vous voyez mon brats, il me gêne, mais bon. Voilà ce que ça donnerait. Ça donne ceci, hein, avec ce que j'ai choisi moi, et là, ça donne ceci. Et donc, hein, et donc quand on ouvre là, hop, on a ça, voilà. Quand on ouvre là, on a ici, hein. Ensuite, on peut refermer, hop, hop, hop. Ici, vous voyez, il faut absolument que je... Hop, parce que ça passe au-dessus. C'est un tout petit peu embêtant, ce bras. Il est un petit peu trop gros. Hein.
Peut-être je mettrai carrément autre chose. Parce que vous voyez, si je mets par exemple, ouais, je sais, je vous embête, je vais prendre un petit bret, par exemple, tout simple jaune là. Hein, comme ça, admettons. C'est pour que vous compreniez. Il n'y a rien à comprendre de compliqué, pas du tout. Hein. Hop, celui-là, par exemple, vous voyez, qui me gêne pour qui tourne pas bien. Enfin, qui tourne, mais qui passe par-dessus et qui nous embête. Alors, vous mettez un plus petit, par exemple, je prends un jaune. Voilà, comme ça, ça fait un cœur jaune. On disait que la marguerite, elle avait été équeutée, enfin, feuillée ou épétalée. Si, on a le droit. Donc, vous voyez, hop, hop. Ben là, ça fait pareil, mais je peux couper. Ouais, je peux couper. Enfin, vous vous adaptez, puis c'est tout. Hein. Vous vous débrouillez. C'est ça. Hop, hop. Hein. Vous maigrissez, là. Vous vous adaptez, puis c'est tout. Oh là là. C'est ça. Si je coupe un peu plus, là, vous voyez ce que ça donne. Je regarde, je m'adapte. Vous voyez, hop, vous voyez, hop, là, comme ça, c'est bien. Hop, et là, je peux ouvrir. Vous avez compris? C'est peut-être un peu large, la chute, là. Bon, d'accord. Là, je vais rétrécir. Vous faites des petites flippettes de... Combien, là? Ça serait parfait si c'était ça. Je regarde. Je vais vous dire la largeur de la flippette. D'accord? Voilà, c'est très bien, ça. Alors, la flippette, là, du coup, elle fait 1 cm. Parce que comme on a retiré 1 cm, là, il faudrait que la flippette, effectivement, elle fasse pas plus d'un centimètre. Vous voyez? Pour que ça puisse... ça gêne rien. D'accord? Puis là, bah, c'est pareil, hein. 1 cm, c'était bien. Hein? Ok. Voilà, voilà. Là, donc, du coup, ben, je vais laisser comme ça. Je vais juste maigrir ça. Maigrir. Je vais juste, pareil, je vais faire... comme là, ça s'ouvre très bien, ça ne me gêne pas. Mais là, ça me gêne. Donc, je vais prendre un autre jaune. Comme ça, ça sera mignon. Il y aura une fleur et un truc jaune. Ce sera très bien. Hein. Vous vous adaptez, hein, vous débrouillez. C'est ça, vous avez compris. Alors, hop, hop. Là, je vais faire maigrir. Juste faire une taille de 1 cm, on a compris. Hein. Hop, hop. C'est juste pour que ça fasse un petit système de fermeture comme ça. Hop, là je fais ça, là je fais ça. Je sais pas si, mais il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien de difficile là dans ce que je fais, hein. Pas du tout. Hein. C'est comme d'habitude, je vous embrouille, mais. Hop, et hop. Ok? Là, je vais couper un petit peu là aussi. Et puis voilà. C'est adorable, là, quand même. Hein. Si, si, c'est adorable. Vous dites, c'est adorable, ça me fait plaisir. Hein. D'accord? Et puis là, je vais couper un petit peu là. Moi, je fais ce que je veux. Hein. Vous avez vu, bah, si je taille, je machine bidule. Hein. Oh là là, on va pas se prendre la tête. Hein. Allez, hop, hop. Non, je vais couper comme ça. Au cutter. Joy. Ouais, bon. Moi, je m'en fiche. Allez, hop, c'est ça. Et voilà. Je regarde un truc. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Là, c'est bien. Voilà. Hein, on est bien, là. Si, on est bien. J'aime beaucoup. C'est très mignon. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, ça ne sert à rien. Hein. Maintenant, c'est comme d'habitude. Hein. Par contre, c'est très mignon. C'est très joli. Alors, j'ai tout rangé, là. C'est bien rangé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. On va faire un tag. Hein? J'adore. On peut mater, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein? On va cacher. Il faut penser à cacher tous les bras de ça. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour cacher tout ça? Hein? Parce qu'il ne faut pas laisser comme ça. Hein? Ben, déjà, parce que la personne qui le reçoit, elle peut se blesser. Donc, on va mettre... des caches, hein, avec des chutes, là. Toutes vos chutes, là, vous allez vous en servir pour cacher vos trucs. Mais je me demande, elles sont grosses, celles-ci. C'est trop gros, ça. C'est trop gros. Je vais en mettre des petites. Je crois qu'on m'en a envoyé des petites. Elles sont vraiment trop grosses. Vous vous adaptez à ce que vous avez... parce que, vous voyez, c'est vraiment énorme. Hein. Ouais, c'est un peu énorme, ça. Donc, je vais en mettre des toutes petites. Vous avez compris. Je vais retirer ça, là. Hop. Est-ce que ça suffira largement? Ah oui, largement. Hein, hop. Ah ouais, carrément. Voilà. Oh, c'était tout mignon en plus. Si, c'est encore plus mignon. Hop. Là, je vais recouper pour que ça coulisse très très bien. Voilà. Après, vous pourriez arrondir les angles, là. Hein, en fait, vous faites la flippette de vos rêves. Mais si. Voilà, hop. Ok. Non. Donc vous faites ça, hop, ça, ça. Voilà.
D'accord, vous avez compris. Là, je vais en mettre un autre. Un petit. Je vais faire pareil. Oui, je l'adore. C'est mon amour, mon trésor. Oui, je l'adore. Alors, hop là, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Ça y est, je suis enfin satisfaite à peu près, je pense. C'est ça. Là, je vais couper comme ça, biseauter là. Comme ça, j'aurai les deux mêmes. Si vous avez compris le tuto, c'est pas un tuto, hein, c'est n'importe quoi. Hein. Allez, hop, c'est bon. Voilà. Voilà. C'est bon, là, c'est bon, et là, c'est bon. Voilà. Il faut s'adapter. Hein. Vous faites. Hein, voilà. Donc, c'est super beau. Et maintenant, c'est super beau. Et quand on ouvre. Ah, mais j'ai dit, on va cacher tous les brats. Hein. Alors, vous prenez des chutes, là. Prenez vos chutes et vous couvrez. Alors, double face. Je vais mettre du double face, moi. Je trouve que c'est mieux que la colle sur la ferraille là, des attaches parisiennes. Je trouve que c'est mieux de mettre du double face. Vous mettez ce que vous voulez, bien sûr. Hein. C'est comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez. C'est ça. Moi, je mets du double face. Alors, voilà. Je vais faire ça. Donc, vous les cachez toutes. Hop. Voilà. Pour vraiment que ce soit bien fini, tout ça. Bien protégé, que personne ne se blesse avec ses flippettes. Et puis qu'elles tiennent bien, surtout. Hein. Voilà, là, il y en a une là. Donc, on peut tout ouvrir. Hein. On rouvre tout, là. Hop. Et on cache tout partout. OK? Allez, c'est super joli. Même quand c'est ouvert, c'est mignon. Là, ensuite, des chutes. Il y en a là. Là, je vais en mettre une là. Hop. Comme ça, vous serez servi de tout. Il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de gaspillage. Et c'est bien, non? Parce que les chutes, hein, on en a marre des chutes, il y en a partout. On ne sait plus quoi en faire. Donc, hop. J'y arrive. Elle m'a offert un pic pour retirer les... J'ose pas m'en servir. Non, c'est ça. Alors, c'est ça. Hop, hein, voilà. Vous voyez? Incognito, ni vu ni connu, je t'embrouille. Si. Là, hop, on va mettre ça là. Très, très bien. Utilisez toutes vos chutes, vous avez compris. Si. Hop. Hop. Voilà. Hop. Faites attention que ça ne déborde pas. Alors, si, c'est ça. Oui, Tina, c'est quoi? J'ai retiré le collant ou non, juste la pellicule. C'est bien, Eugénie. Donc là, c'est bien. Là, on cache tout. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Vous hein, voyez? Et puis là, c'est pareil, il m'en reste deux. Alors, j'en ai fait un là. Il m'en reste encore un à cacher là. Donc, hop, une chute. Et ici, toi. Voilà. Et je vais cacher ça aussi. Hop. Voilà. C'est vraiment très important, ça. Et pour la finition et pour éviter... Ben déjà que ça s'abîme, hein, parce que ça risquerait de s'abîmer le papier. Si c'est pas bien protégé, ben voilà quoi. Mon joy, il est infernal. Dès que vous mettez des brats, pensez à toujours protéger par-dessus avec quelque chose. Hein. Alors ça et ça. Et voilà. On va dire que notre carte, elle est finie. Hein. Alors à vous de mater, à vous de faire ce que vous voulez. D'accord. Alors est-ce que c'était compréhensible? Alors là, on va faire un tag pour mettre à l'intérieur. Je vais faire un tag qui fait, je ne sais rien, 9 sur 14. Allez, 9 sur 14, je vais prendre un morceau de 9 sur 14. Je voulais mettre cette jolie truc là, mais c'est trop petit du coup. Je vais quand même mettre ça. Bon. Elle est jolie cette photo. Hein. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a? J'ai rien. Non, je déconne. Oh là, c'est beau. Il est beau ce papier. Il est beau. J'adore. Si, j'adore. 9 sur 14. Qu'est-ce qu'on a pour se faire? Joy. Oh là 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 là. Qu'il est vilain. Mais qu'il est vilain. Qu'il est vilain. Il n'arrête pas d'aboyer. Hop. Je regarde ce que j'ai. C'est quoi ça? You make me feel special. Ça, c'est quoi? Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau ce papier. Qu'est-ce qu'il est beau. Love make everything better. Ouais, oui, ça c'est sûr. Bon, bref, qu'est-ce qu'on a? Alors, on pourrait faire un joli. J'en ai déjà fait un, mais bon. Parce que c'est un papier qui m'inspire un peu de tristesse. Donc, j'ai que ça. Enfin, j'ai que ça. Ouais, bah, je vais prendre ma chute là. Si, je vais faire ça. Enfin, je me comprends.
je vais prendre la jolie photo que je ne sais plus ce que j'en ai fait. Je ne sais plus. Allez là, voilà. Je vais prendre ça, que je vais mater sur une autre feuille pour qu'elle soit un tout petit peu plus... Et encore, ça fait combien de hauteur ça? Vous faites ce que vous voulez, c'est comme d'habitude. Je vais laisser. Non, je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Donc moi là, la photo du bloc, de l'album, elle fait 8,5 sur 14. C'est bon, je vais pas m'amuser à couper autre chose. Je vais prendre celui-là, hein, comme ça. Et puis donc, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vais la perforer, mais je vais faire un tag en fait. Hein. Je vais perforer là, tout simplement. Je fais rien de... Hein, rien de foufou, hein, rien de foufou. Mais voilà. Alors, je prends la crampe d'ail. Je vais faire une petite perforation et mettre un petit œillet. Tiens, jaune. Ça va ressortir comme ça. Si, ça va ressortir un peu. Il y a des étoiles. Il y a quoi? On m'a envoyé plein de choses. Il y a des papillons. Ah, c'est mignon. Maintenant, je vais prendre un tout à fait ordinaire, mais jaune. Ah, si, je vais faire ça. Combien de minutes, là, on est pour rien faire? Pour rien faire. J'ai rien fait. J'ai fait 4 trous. J'ai plié une feuille en 4 et puis... C'est ça, ça me fait trop rire. Si. Donc, je mets au milieu, je fais un trou, pouf, vous voyez, hein, si. Un tuto pour faire comment faire des trous. Si. Donc, je mets mon œillet et j'écrase mon œillet. Alors, pour ce faire, comme je vois, bon, oui, je sais, j'ai pas le droit de me plaindre parce que je mérite pas d'être plein. Ouais, je vais prendre rendez-vous avec mon ophtalmo. Voilà, hop, et voilà. Et là, je vais mettre un joli ruban. Des rubans. Là, elle laisse s'envoler. Alors, hop. Et alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un ruban. Un ruban noir. Tiens, avec des cœurs. Avec des cœurs, là. C'est bien, ça. Moi, je vais mettre ça. Si, je vais mettre ça. Je sais pas où j'ai eu ça non plus, mais bon. Je vais mettre ça. Elle laisse s'envoler les rubans. C'était comment l'air? Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec, oui, ta petite voix, petite Marie, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entraînent ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Leur amour plus bleu que le ciel tout. Voilà, et on fait aucun collage. On pourrait hein, définitivement coller les côtés là. Si vous voulez définitivement coller les côtés, pourquoi pas? Mais j'ai envie de dire, c'est presque dommage. Pourquoi? Parce que ça peut faire un album photo. Hein, vous pourriez quand, soit vous collez et puis vous faites une pochette tag et puis vous faites vous voyez comme ça voilà voilà, mais soit vous laissez tout comme ça et puis comme ça la personne elle peut avoir la surprise d'avoir un mot à l'intérieur, un mot, des photos plus le tag. Donc, par exemple, vous mettez le mot sur le tag et puis là elle a des photos. Non, vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, c'est comme d'habitude. Hein, je veux juste vous donner une petite idée comme ça d'album, je sais pas quoi. Je sais pas comment on appellerait ça, j'en sais rien. Flip, flap, flipper, flap. Si. Et puis, hop. Donc, hop, celle-ci, elle est fermée. Et puis, vous passez par-dessus. Celle-ci, on la ferme comme ça. Bon, alors, l'histoire de mes flippettes, là, je pense que, bon, moi, elles passent difficilement. Mais c'est parce que je les ai mis trop près de ma carte. Hein, mettez-les vraiment soit le plus loin, soit vous raccourcissez un peu votre page. Hein. Vous faites en sorte que ça... Hein, vous avez compris. Pour... Moi, je vais laisser comme... Hop, là, pouf, et hop, et pouf. Et voilà. Et ça donne ça. Et puis, voilà. Donc, moi, je trouve ça très mignon. Mais si, c'était tout mignon. Hein. Bah, si, c'est sympa. Voilà, à vous de mater, à vous de faire ce que vous voulez. Hein. Faites ce que vous voulez. Moi, je trouve que c'est sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein? Bah, si. Voilà, hein? Là, j'ouvre. Hop. Comme ça, là, on peut mettre une image. Ou une pochette. Hein? Vous faites une pochette. Hein? Bon, là, j'ai plus de chute. Hein? Non, mais j'ai plus de chute, donc défi relevé. Non. Mais vous pouvez reprendre une autre feuille et faire des pochettes.
soit une comme ça, là, ici en hauteur, soit une là. Là, vous pouvez aussi en mettre. Hop. Et puis hop, hop. Là aussi, vous pouvez mettre quelque chose. Là, vous pouvez mettre quelque chose, une photo, quelque chose. Comme ça, il y a plein de découvertes, je trouve. C'est sympa, non? Je vais peut-être même arrondir les angles, moi, là. On peut arrondir les angles. On peut, comme je dis toujours, appropriez-vous là le truc là. Hein, et hop, voilà. Bon, ok? J'ai compris. Si, j'ai compris. Alors, pour ce faire, on va se quitter. On va se quitter comme ça. Hein. Ouais, je l'ai mis trop près. Mais je pense que moi, je vais recouper un peu là. Je vais retirer un demi-centimètre sur chaque. Je vais retirer un demi là, un demi là. Et un demi là, un demi là pour que ça tourne vraiment bien tranquillement. Ok? Voilà, vous faites ça aussi. Et puis voilà, on a zéro chute. Si, j'ai zéro chute. Hein. Si, il y en a. Ah, bah, j'ai ça, tiens. J'ai ça. Ça, ça. Et ça. Voilà, voilà ce qui me reste. Bon, ça va, hein. C'est rien. Ok? Bon, allez. J'espère que ce petit tuto de n'importe quoi vous aura plu, hein? Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, on se dit, ben, très vite, hein? Passez une belle journée. À bientôt. Bisous. Prenez soin de vous.